Bonjour à tous, c'est Bluetooth de Sauce de Fitness qui vous parle aujourd'hui. Nouvelle vidéo sur un petit boîtier, comme vous l'avez dit de la vidéo. Voilà, le petit boîtier en question se présente comme ça. Voilà. Alors, il est déjà connecté, c'est la marque, c'est Legacy Pixel. On a le VGA, c'est ça, c'est en bleu. Au milieu, c'est donc le clavier branché qui est là. Et c'est en PS2. Et celui-là, c'est justement le sac qui est côté à l'ordinateur. Donc, comme VM, enfin oui, c'est ça, comme VM, ou peut-être sur Windows, hein, comme VM, j'utilise Oracle Linux à cette occasion. Et voilà. Et ensuite. Ah, c'est pas tout. Et j'ai donc l'alimentation USB 5 volts. Enfin, parce que ici c'est bien gentil, mais il nous a pas montré en fait, c'est pas. Mais vraiment, c'est que c'est pas recommandé. Voilà. Toujours profit comme ça. Donc voilà, c'est bon. Et ça c'est pour switcher des couleurs. Donc ça c'est pour switcher des couleurs. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure j'ai une pince. Bref, maintenant les présentations sont faites. J'allume Oracle Linux et voilà, bref. Bon, voilà, désolé pour l'interruption parce que excusez-moi pour l'interruption parce qu'en fait, ça commence à faire, il a encore fait le débit là. Je sais pas pourquoi, mais bon, je dis, oh, ça sert à rien, et puis ça sert à rien, j'en parle, qu'est-ce qu'il a fabriqué? Moi j'attends déjà d'une que ça. Moi il y a le login à taper. Donc pour rappel, j'utilise Oracle Linux 9. C'est marqué là. Mais. Oracle Linux 9, attends, Linux 9, là, ici, il y a un cas, je le sais très, si vous me pardonnez, voilà, donc voilà, donc du coup, il y a pas de page Youpi, c'est ok, non, de taper en même temps le clavier avec la cam, ce n'est pas mon téléphone, par contre, malheureusement, voilà. Bon, la tendance aussi est de bloquer. Attendez. Excusez-moi, pardon, je vais dire plus tard. Donc voilà, du coup, voilà. Parce que ça m'a un peu énervé. Il a fait le débit tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a une reprise. Enfin, une reprise. Ce sera mon montage de toute façon. Donc, vas-y, voilà. Pour commencer, vu qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur Oracle Linux 9, même les autres versions, même comme Red Hat. Ah, d'ailleurs, je me contenterai vraiment d'utiliser ceci. C'est Arch Linux. Voilà. Ouais. Donc, du coup, on est dans User, Passive User. Voilà, c'est normal. On est dans Arch Linux. Et du coup, je vais montrer. Je fais cal par exemple, voilà par exemple, hein, je peux faire aussi c'était ton dernier personnage, si je vais dire. Je peux entrer dans ce merdier, j'ai plus de là, excusez-moi, voilà. Et ensuite, ouais, sur Links par exemple, si je recherche Links, Links, voilà. Il n'y a pas fait débile aussi avec Internet. Non, ça va. Oula, j'ai eu peur. Bon, du coup, j'ai peur qu'il faisait encore le saloperie. C'est bon. Le bêta. Bref, plus sérieusement. Ça, c'est la page GitHub du projet de ce truc en question qui est là. Voilà. Et voilà, on est sur la page, par ligne évidemment. Alors, je vais pas faire toutes les commandes possibles imaginables, que je peux montrer seulement d'abord.
C'est évidemment. Ça soit accessible sur eBay. Hein. Je vais mettre tous les ressources dans la description. Et maintenant, je me sors. Attends, il n'y a pas de mise à jour par hasard? Attends, j'ai SUY. Voilà, c'est bon, c'est ça, voilà. SUY. Ouais, ça bloque. Il faut quoi? J'appuie sur entrée pour que. Je sais pas si je peux le faire à vous, mais j'appuie sur entrée pour. Alors, bien sûr, communication sérielle. On peut même USB, vu qu'il y a USB aussi, mais ça marche pas a priori avec Oracle VirtualBox. VirtualBox pour tout, ouais, bon. Non, il n'y a rien. Bon, du coup. Il me semble question que j'ai là. J'ai déjà fait ça, ça que je fasse. Le setup menu, c'est CTRL-ALT-SUB, c'est pas mal dans la démonstration puisque bah, parfois il est montré de toute façon. Donc je fais, attends, je vais poser la cam, CTRL-ALT-SUB. Donc ça, c'est ce que vous avez vu sur les screenshots sur la page d'eBay. C'est après il vient du Minone, mais c'est différent par rapport à. On a vu attentivement ce que c'est affiché à l'écran, d'accord? Vais comprendre par suite. Hein. D'accord? Donc. J'appuie sur achat pour annuler les modifs et au Swipe 12 pour appliquer des modifications impliquées. Et puis une dernière chose aussi, c'est que une dernière chose aussi, si j'ai une pince là, si j'ai une pince là, vous voyez la pince, vous voyez pas trop la pince. Hein. Si j'ai une pince ici, là, c'est parce qu'en fait. Ça va être compliqué pour enlever pour changer la couleur de l'écran parce que attendez donc j'allume la lumière d'accord trois trucs là j'utilise un pince je mets par exemple si je vais mettre en jaune j'enlève tout simplement le bleu là avec la pince parce que c'était compliqué et là bien forcé voilà j'ai enlevé la pince et là c'est jaune. Là, c'est jaune. Là, c'est jaune. Voilà. Oui, c'est jaune là. C'est jaune. Ça se voit peut-être pas, mais c'est jaune. Et pour le remettre, bon, il y a plus une pince. Pour le remettre, c'est. Voilà, je le remets. Voilà. Je remets le temps en question et ça se deviendra blanc. Cette possibilité de couleur, l'huitième est impossible puisque sinon c'est tout noir. Hein. Ok, donc. Donc, avec malheureusement la merde en Ukraine, il y aura par rapport au dollar, c'est 48 dollars, mais en euros, c'est plus élevé qu'en dollars. Parce que, à cause, comme je dis précédemment, moi j'ai de la chance, bon, et vous avez un peu moins de chance que moi, parce que pour l'avoir, c'est 49 euros, plus 48. Voilà, c'est tout, c'est le tout de la qui vous a parlé, vous aurez la prochaine.